Et notamment notre ami Denis Canet qui va nous parler d'une église, celle de Notre-Dame aujourd'hui. Oui, on va reprendre de la hauteur, c'est magnifique ces images, hein. Regardez toujours. Comme c'est beau. L'église de Notre-Dame qui fut construite au 18e siècle, 19e siècle, pardon. Et donc elle a remplacé en fait une ancienne église qui était très abîmée, très vétuste. C'était au faubourg des Capucins. Alors on a essayé de la réparer plein de fois, cette église. Et puis finalement, bon ben, les paroissiens durent se résoudre à sa démolition. Il y a eu un conseil de fabrique qui demanda donc de reconstruire cette église. On l'a déplacée un petit peu vers le quartier des Marins, près de la Porte Neuve, ancienne porte Poitevine. Et les plans furent confiés à l'architecte départemental Alfred d'Auvergne. On peut signaler parce que c'était un très très bel ouvrage. Qui proposa, alors tenez-vous bien, qui proposa une église plus romane de style auvergnat. Ça, ah, c'est assez extraordinaire, hein. Ah ben là, c'est bien, gothique flamboyant, auvergnat, roman. Alors, l'autre est gothique flamboyant et celle-là est donc le style roman auvergnat. Bah, ce sont des choses qui arrivent en même temps. Bah, voilà. On n'est pas très très loin non plus. Non plus, hein? Non plus. Merci, voilà. Denis, pour ces belles images. Je vous en prie, c'est un plaisir, ça va bien.